Et bien sûr, j'ai la cam qui freeze. Non, mais ça marche bien. Ah, c'est un peu, j'ai la cam qui freeze, c'est bon, le soft par lequel je passe a carrément plein de dés, putain. Voilà. Bah donc, petit problème en fait, c'est que si je me mets genre en plein écran, pour vous ça change rien. Sauf que pour moi, en fait, j'ai mon écran qui bouge sur mon écran de droite, et là où ma souris doit être, c'est sur l'écran de gauche. Donc, c'est un peu la merde. On va essayer un truc. Hop. Ça veut pas marcher, putain de merde. J'adore à quel point c'est buggé ce genre de conneries. Genre complètement. Je sais pas, Bethesda, qu'est-ce que vous avez branlé sans déconner? J'ai juste mis à jour mon PC. Et je me retrouve avec un jeu que je peux même pas mettre en plein écran. Même en sans bordure, ça déconne. Putain, mais j'hallucine quoi. Bon, ben on va essayer de jouer comme ça, hein, merde. Putain, obligé de jouer comme ça, en fenêtré, sans déconner. J'ai un petit peu joué depuis... depuis le dernier stream, hein. Je connais même plus les touches. Alors je crois que sur WST le soin. Sur C j'ai un bouclier, sur ça j'ai ça. Bon. Du coup, journal. Et en plus mon fond vert déconne. Hop. On va arranger ça, c'est parce qu'il manque de lumière. Hop. Logiquement, ça devrait être un peu mieux, ça l'est pas beaucoup. Enfin, fond vert. Réellement, c'est pas un fond vert, c'est un drap tendu au-dessus de ma chaise. Pour vous dire. Et non, il a décidé de me faire chier. Oui, t'as décidé de me faire chier complet en fait. Mission. Ça c'est fait. Oh, on va sur la carte, qu'est-ce qu'on a dans le coin. Oui, vous voyez que j'ai avancé. Hein. Par contre, cette cam va te dégager. Putain, j'ai tout fait bugger, cette connerie de. La cam est buggée, désolé, elle s'en va. J'ai pas envie de m'encombrer d'un truc sur mon écran pour rien. Qu'est-ce qu'on a là? Un avant-poste très très violent, donc on va éviter. Une petite météorite. Lieu de non découvrir, pas très très loin. D'un vrai, je vais planter ma bagnole par là.
besoin de faire une sieste. J'ai un beau projet technique. Attends-moi. J'étais un peu bourrin. Un peu beaucoup. Et sinon, le GPS, non, tu veux pas te déclencher? Merci. Destination atteinte. Y'a rien, y'a même pas des trucs à l'autre. Oui, trois merdes. Bon, il n'y a que de la merde par là. Repère de bandits, allez, on va sur un petit repère de bandits. Encore un de ces repères de bandits. Ouais, c'est pas un petit repère là, celui-là.
quoi je viens de voir une barre de vie de boss apparaître. C'était pas ça. Putain, j'ai perdu les touches sans déconner. C'est pas ça non plus. Voilà, c'est ça. C'est quoi déjà mes touches? Sans déconner. Pas boutique, putain. Non, pas la manette, que les souris. Eh ben j'en sais rien, je retrouverai mes fées. Walker, je te rappelle que le docteur Bazir est quelque part. Faut qu'on le trouve. Le docteur Bazir. Dans le coin, dans le coin. Roger, j'ai bientôt fini avec le brouilleur. Ça se présente plutôt bien. Il me manque juste une petite pièce du puzzle. J'ai envoyé Guno au monadique. Tu sais, la petite géniale de l'autre fois. Elle a disparu. Je commence à croire qu'elle sait attirer les ennuis. On dirait que tu vas encore devoir m'aider, Ranger. Passe me voir à l'armurerie, d'accord? Ok, j'arrive. Destination atteinte. Wellspring. Enfin. Bon, maintenant j'ai plus qu'à parler au maire Louzomaga. Je cherche le maire de Wellspring. Vous êtes au bon endroit au mauvais moment. Le maire Agar est sur le chemin. Je ne vois personne. Je ne sais pas ce qui vous amène, mais ça peut attendre. Revenez plus tard. Vous revenez pas. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Non, et j'aimerais bien que ça continue. Personne ne rentre, personne ne sort. Le maire a plus important à faire que de s'occuper de vous. Donc, comme je disais... Merde. Vous entendez ça? Let's go.
aussi ? Lusa Magar, mère de Wellspring. Une as du wingstick dans sa jeunesse, qu'elle a ensuite troqué pour un bon vieux flingue. Le projet DAG ne se fera pas sans elle. Wow, wow, wow ! Du calme ! Je suis là pour le projet DAG. Ceux qui connaissent ce projet appartiennent à un club très select. Et toi, tu n'en fais pas partie. C'est Prolet. Bah, si, apparemment. Ah ouais, Prolet. Prolet est morte. Vineland est rayée de la carte. C'est un hologramme. J'ai pas le temps. Je m'appelle Walker. Je suis le dernier ranger du Vineland. Putain, merde! Encore tes trous du cul! Ranger, on s'occupe de ces connards. On parlera après. Alors, comment ça se passe en bas? La même. Ils ont flingué les habitants et j'ai été flingué en retour. Là, peut-être que je pourrais trouver quoi faire pour toi. N'attendez pas à ce qu'on... On t'a appris ça dans ta petite enclave. T'as un truc en plus. Ok. Mais bon, on peut discuter? Ouais, on va discuter. Je peux savoir ce qui se passe ici? Le projet DAG a été conçu pour arrêter l'autorité une bonne fois pour toutes. Mais il a été abandonné quand Vineland a coupé les ponts avec nous. Rien ne me ferait plus plaisir que de remettre le projet sur les rails. Mais comme tu vois, j'ai des problèmes plus urgents. On dirait bien. C'était qui, ces types? Des tueurs à gages. Des cramés. Des petites racailles de merde. Qui les a envoyés? Il n'y a qu'un seul sac à merde qui est les couilles pour ce genre de saloperie. Clay Clayton, le connard le plus riche de cette ville. Ça fait longtemps qu'il bave sur la mairie. Mais là, il a l'air carrément motivé. Avec l'aide de fonctionnaires soudoyés, il a mis la main sur l'équipement militaire de la ville, dont des éléments essentiels pour le projet DAG. Bla 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 bla. Donc je le tue et je récupère le matos. Non. On doit procéder par étapes. D'abord, je veux savoir qui est le cerveau de l'opération. Après, on doit découvrir où il planque tout ça. Vous avez un plan? Il a un ego de la taille d'un écopode. Mais on devrait pouvoir s'en servir contre lui. Attire-toi ses bonnes grâces, caresse-le dans le sens du poil. Puis après, tu colles ce bidule sur son ordinateur. Grâce à lui, j'aurai appris tous ses petits secrets. Qui est derrière tout ça? Mon but, c'est de buter des gens. T'écouter parler. Où est-ce qu'il cache son butin? Clegg Clayton aime la compagnie des gens riches et célèbres. Il fréquente son soi-disant club des champions. Trouve un moyen d'y entrer. Et t'auras fait le plus dur pour coller le mouchard. Ok, je m'en occupe. Excellent. Prends le bidule. Va dans le bureau de Clegg, colle-le sur son ordinateur. Oh, c'est bien, je reste en ville. Au moins, j'ai pas besoin de me balader pendant 5 ans, mais... Bon, ouais, c'est passé, tu seras peut-être pas mal quand même. Parce que t'es un parieur invétéré, c'est tout. Il est pas. C'est le club des champions de Clay Clayton. T'as rien gagné, toi. Alors, laisse tomber. T'as pas ce qu'il faut pour rentrer. Laisse-moi passer, je suis un ranger. Je m'en tape. Bien sûr, il suffit de gagner Mutant Bash TV et le derby de Chaskar. Tu gagnes, tu rentres. Une promenade de santé pour une pointure dans ton genre. Je le fais, mutant machin. Et c'est tout?
Ouais, tu deviens le vainqueur, tu rentres et tu rencontres le boss quand tu veux. C'est le seul moyen ? Pour toi, oui. Putain, mais j'ai qu'une bagnole de merde. Ça s'est passé avec Gorilzilla à l'entrée ? Il y a un moyen. Je dois aller froisser de la tôle sur les circuits et devenir la nouvelle championne. Un jeu d'enfant. Wow, j'espère que tu seras à la hauteur. Ces émissions ont broyé plus d'un gamin trop ambitieux. Bon, ça c'est fait, donc il faut... Bon, ça c'est Marshall, putain, elle est où ? Mission, parler à Marshall, c'est pas resté sur nous, voilà, sur la carte, s'il vous plaît, merci. C'est un veau ma bagnole, qu'est-ce que tu veux que j'arrive à gagner des courses moi? Je sais même plus viser quoi. C'est chelou, j'ai ma sensibilité qui a changé parce que je suis en fenêtré quoi. Ouais, c'est très très mou en voiture. C'est hallucinant. Bah, apparemment, de ce que j'ai pu voir sur le net, il y a des bagnoles plus rapides. Hein, vu que je suis au tout début, bah non.
J'ai totalement perdu toutes mes touches, je sais plus. Oh, tu devrais bien t'amuser. J'ai combien? J'ai 5 ou 6 heures de jeu. Je m'éclate bien. La physique est un peu buggée, mais. Bon, c'est pas un jeu de bagnole, donc c'est normal. Nous sommes. Je suis sur la piste. C'est parti pour le derby de Jaskar. Ne quittez pas l'écran des yeux, je vais tout casser. Bonne chance, Walker. T'en auras besoin avec tous ces malades sur la ligne de départ. On y est, bébé! Système en récupération. Système entièrement restauré. Je pense que les merdes comme ça doivent être plus rapides en plus. Elles sont pas armées du coup. Mais je peux pas rentrer avec ce bagnole, bien sûr. Ouais, ça a l'air d'être loin de la merde que je, avec laquelle je conduis, moi. Ça alors. La course, bébé. Toi, t'as l'air d'avoir la carrure des grands pilotes. Avec toi, il y a de la barbaque dans l'assiette. Sans oublier la garniture, bien sûr. Ton contrat est là, tout frais. Tu me signes ça, disons, avec ton sang. Tu tailles un chemin vers le podium, comme un couteau dans du beurre, tu rafles la victoire et t'as même du rap de jus. Tu peux me prêter une bagnole aussi, non? Je commence quand? Scratch, scratch, on a ta signature. Tu peux y aller. Ouais, ben, tu vas commencer au bas de l'échelle, Bleuzaille. Tu vas prendre le veau, là. Montre un peu ce que tu sais faire dans cette caisse à savon. Et va jusqu'au top. Hisse-toi jusqu'au sommet, comme la crème fraîche sur le lait. Va chercher ta caisse quand tu veux, ok? Un autre chapitre du conte fantastique de Boule de Sel est sur faites place, Frollo, et attirez la puissance de Patrick Vermeil.
C'est pas facile à conduire au clavier souris. Hein. Et l'une. Je te déclare officiellement au même niveau que Nicky Reine. Ouais, t'incarnes la réussite. Mais tu sais, ça implique un petit quelque chose pour toi. Tu gagnes le droit d'aller prendre du bon temps au club des champions de Wellspring. Eh oui, tu vas me saucer tout ça avec du pain. Et tu gagnes un accès libre à tous mes circuits juteux. Joli Marmac, les pilotes comme toi sont plus rares que de la peau sur un rail dog. Merlouzum, je l'ai. Mon ticket d'entrée pour le club des champions. Ouais, j'ai tout vu. T'es vraiment magnifique. C'était une belle démonstration sportive. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça. J'y vais tout de suite. J'ai plein de trucs à décorer sur la route. Service des bons.
une personne. Ouais, par contre, Shimiro ou Shimiro? Il manque encore deux. Sente pas la merde. Bah son.
pimpant et boum. Passer par là. Hop. Je veux voir Clegg Clayton. Bienvenue, la star. Écoutez-moi une seconde. J'ai une grande, belle, merveilleuse surprise pour vous tous. Regardez par là, messieurs dames. Le voilà, le magnat le plus célèbre du Wasteland, Clegg Clayton. Tellement mégalo qu'il a déjà torturé des gens juste pour les entendre dire oui. Moi, le grand Clegg Clayton, vous offre le seul, l'unique... Walker, la terreur! Notre tout nouveau champion! Ils sont complètement cramés. Ah, ma petite poule aux œufs d'or. Reste avec moi, et le monde n'aura pas de limite. Tu veux de gros profits? Tu veux devenir une star? Alors le vieux tonton Clegg Clayton t'ouvrira toutes les portes. Je te laisserai pas tomber. Pardon ? On va casser la baraque. Ça ne fait aucun doute. Tout le monde a une raison d'être sur ce rocher. Et la tienne, c'est d'être toujours au top. Alors, ça te dit d'aller en discuter dans un coin plus tranquille ? Je vais te faire une offre comme on n'en voit qu'une seule fois dans sa vie. Je suppose que j'ai pas besoin de me présenter. Tu sais déjà comment j'ai hérité de la fortune de mon père et comment j'en ai fait un véritable empire. Tout le monde connaît l'histoire de Clegg Clayton, l'irrésistible, l'orphelin prodige multimilliardaire. C'est bien pour ça que t'es ici, je le sais. Tout le monde veut voir la piole de l'homme le plus riche et le plus généreux du pays. Non, je m'en bats les noix. Nous y sommes. Bienvenue, Walker, la terreur. Bienvenue... dans le cœur battant de la ville. Le centre nerveux de l'Empire Clegg. Mon bureau, le cockpit depuis lequel je gère mes vastes possessions. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus riche de la ville. Mais demain, je serai également le plus Dès que cette vieille peau anémique de l'Ouzemagar m'aura laissé son fauteuil, les choses vont changer par ici, et en mieux. Et ça, c'est moi qui te le dis. Parce que la richesse te suffit pas ? Tu te sens appelé à une destinée plus grande, hein, c'est ça ? Je vais te parler de mon père. Mon père... Mon père, c'était un grand homme. Tout le monde dit que c'était un grand homme. Il a bâti les fondations de Wellspring. C'est vrai, mais mon père... Il n'avait pas la vision nécessaire pour allier le pouvoir et l'argent. Il était maire, mon père, mais il n'avait pas vraiment d'argent, tu vois. Moi, j'ai une vision, j'ai envie de dire. Et je dis à tout le monde qu'un jour, je serai l'homme le plus puissant du Westland. Quoi ? Qu'est-ce qui pourrait être bien si urgent ? D'accord. Un instant. Ah, désolé, Walker la Terreur, il faut que je réponde. Mais fais comme chez toi, verse-toi un verre. Prends un œil de Sancha, extra globuleux. C'est bon. Ça va, je vous écoute. Oui, enfin, je voulais dire... Écoutez-moi ! C'est bon, nous
Exum, j'ai installé le mouchard. J'ai vu. Il commence déjà à envoyer des données. Bon boulot, maintenant dégage de là. Et au fait, Walker, la terreur, juste une dernière chose. Ah, comment elle va, cette vieille truie de Loosum? Bien? Ah, ça me trouve le cul, ça, hein? Ouais, je viens de l'apprendre. Rien n'échappe à Clay Clayton, c'est la vérité. Les espions et mes taupes bossent 27 heures sur 27 pour me tenir au courant de tout. On dirait que Clegg a fini par te coincer. T'es 15 heures de plus, finalement. Et comme c'est sûrement tes derniers instants, je vais te révéler mon grand secret. J'ai absolument tout prévu, tu sais. Mais je m'en fous. Que j'ai réussi à attirer l'individu le plus puissant du Westland dans mon camp. Qui ça? L'autorité, évidemment. Je suis comme Q et Smith avec le général Cross. Et quand ils auront gagné, ensemble, tout deviendra possible. Et tout ça grâce à mes talents de négociation hors du commun. Je m'en bats les couilles. Ça, c'est parce que je suis le meilleur dans tout ce que j'entreprends. Et que toi, t'es qu'une espèce de sale marionnette entre les mains de Loosum. Adieu, marionnette. Aïe. Oh tiens, ça fait longtemps que j'avais pas vu un comme ça. Je suis en dessous de Wellspring. Clegg m'a fait tomber depuis la cage d'ascenseur dans un genre de fosse. Mais surtout, il est de mèche avec le général Cross. Ok, on se dépêche alors. J'envoie une équipe s'occuper de Clegg. Il parlera, d'une manière ou d'une autre. Terminé. J'ai encore bourré de boutons.
Chuzum, j'ai trouvé le char. Un prédateur de l'autorité. C'est notre ticket d'entrée. Le char prédateur du projet DAG. Si on arrive à le faire fonctionner, on sera bon. Et dire qu'il était sous nos pieds depuis tout ce temps. S'amuser en char d'assaut. Enfin, le problème, c'est qu'il est en moitié monté. Et voilà pour remonter. Dans la tour. Ils t'attendent. Ça devrait plus être long. L'équipe d'assaut est dans la tour. Ils t'attendent. Ça devrait plus être long. Transférez-moi sur leur canal, je veux savoir ce qui se passe. Ouais. Attends. Allez, allez, allez! On se regroupe, en formation! Prêt à tirer. Attention! Lâche ton arme, Clayton. Il est parti où? Sans doute aller chialer dans les jupes de son maître. Au moins, on a trouvé le prédateur. Le projet DAG se présente bien. Viens dans mon bureau, il faut qu'on parle.
J'en ai marre des ascenseurs. Maintenant que la ville est débarrassée de cette raclure, on peut se concentrer sur le projet DAG. Pour le moment, mais il reconstruira son dôme I2 tôt ou tard, si on s'occupe pas de lui de manière définitive. Doit bien y avoir des choses intéressantes dans les données récupérées sur son ordinateur. J'y travaille. Je suis en train de les décrypter en ce moment même. Et j'ai envoyé une équipe récupérer le char et tout le reste dans le donjon sordide de Cléguy. Ok. Présente-moi quand le prédateur sera en état de marche. Reçu. Tu sais, avec Clegg hors d'état de nuire et le char en notre possession, on aurait bien besoin de quelqu'un comme toi ici pour certains projets. Ce serait gagnant-gagnant. Oui, fais péter, allez, merci. Ça, pour l'instant, je m'en fous. Tiens, c'est quoi c'est pas les babards. La baraque en bois, je m'en fous. VOD, je m'en fous, machin. Oui, ça, c'est cool. C'est pour l'instant je m'en sers pas, comme ça je suis obligé de le prendre. Ouais, bof. Walker, je voulais te poser une question. Est-ce que tu connais les pouvoirs des nanotrites ? Disons que j'ai quelques atouts en main. Je m'en doutais. Et je me doute aussi que tu aimerais en avoir plus. Il se trouve que j'ai récupéré ce message auprès de Chrome, un mercenaire travaillant pour Clay Clayton. Clayton, j'ai décroché le gros lot. Il y a une arche encore intacte ici. Le problème, c'est que ces connards de sphère nous ont repérés et ont buté la moitié de mon équipe. Il va falloir doubler ma paix. Ou bien je refilerai le tuyau à quelqu'un qui n'a pas d'oursin dans les poches. D'accord. Donc tu viens de me donner, théoriquement, un emplacement pour une arche. C'est ça. J'ai récupéré ça là. Non, ça va. Bonne chance dehors. Attends, bonne chance dans ton ascenseur. Mal par ici, mais tu pourrais faire la différence. Intéresse-toi à mes opérations et je ferai en sorte que tu puisses.
des portes qu'elles ouvrent. Ces repères des bandits. Apparemment, il reste des crânes. La question se sera où, mais il reste. Bah non. Bon ben c'est buggy, c'est ça.
Faut que je m'en tape toute la route. Putain. Ces repères de bandits. J'ai un mauvais pressentiment. Rappelle-toi ce que disait maman. Les rangers doivent évaluer les risques avant d'agir. Et être prêts à tout. Thank you.
jamais joué des armes. Vous avez terminé l'installation de l'ID intronisation écrasement. Grâce à elle, vous pourrez temporairement défier la gravité et attaquer les ennemis depuis les airs en créant une puissante explosion cinétique. Ces repères des bandits. Thank you.
météore. C'est quoi ça? Station service. J'ai plein de trucs à visiter.
foutez quoi, là? Vous êtes qui? Vous avez pas le droit d'être ici. T'es pas au courant? La présidente, c'est moi. Mon cul, ouais. Y en a plus depuis un bail. Faites demi-tour maintenant, ou je vais être obligé de vous démolir. Ah ouais? C'est qui? Maintenant, je n'ai plus besoin de nom. J'ai transcendé ce carcan de chair pour ne plus faire qu'un avec l'information. Je suis immortel. Je suis resplendissant. Bon, laisse-moi rentrer, bâtard.
Je vois un énorme reflet droit devant. Pas celui d'une lunette ou d'un enjoliveur. Un truc plus gros. C'est sûrement des panneaux solaires. Les sueurs éternelles s'en servent pour alimenter leurs arbres. Et détruire diminuerait les raids dans la région.
putain, mais j'ai plus de grenades, quoi. Oh, c'est clairement pas de mon level, les autres trucs. Thank you.
salut Fen. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Je profite de mon petit dimanche de repos pour vraiment aller en fait. Bon, il va falloir que j'aille chercher lui. Ici, je crois. Ouais. Je suis quasiment à pied. Le mec qui a codé la physique dans ce jeu était bourré, je crois. Ça. Non, ça va pas.
j'ai atteint les marais. Où est-ce que je peux trouver ce docteur Kvasir? J'en sais pas plus que toi. Tu devrais te rendre à Labouné. C'est la ville du coin, tu y trouveras peut-être des renseignements. Ça marche. Je vais aller voir. Ah, mais je t'ai rien fait, oh. S'il y a quelque chose à apprendre sur ce docteur Kvasir. Vous avez besoin d'un petit coup de... Waouh ! Un ranger dans une bagnole rock'n'roll ! Je m'en viens de me souvenir comment on fait pour venir à cette bagnole, d'ailleurs. Logiquement, c'est là-dedans, mais... Où t'as le droit ? Ça, ça pas très tel. Le problème, faut que je les achète, quoi, les missiles. Voir comment je peux améliorer votre caisse. Ranger, Walker, hey, Walker, vous avez des messages. Ranger. Qu'on n'en a pas vu. Mais ton père et moi, on s'est battus côte à côte pendant la guerre. Moi, c'est Moremé. Je suis qu'un vétéran qui veille sur les habitants de Labouné. Ça fait un bail que j'habite ici, et je connais chaque trombine du coin. Vous connaissez un docteur Kvasir? Un scientifique vraiment plutôt jeune? J'avais pas entendu ce nom depuis la fin de la guerre. Oh putain, mais il est presque 20h! Il s'est retranché au cœur de Secreto, et il a disparu. Personne ne l'a revu depuis. Vous avez rien d'autre? Eh bien, la zone autour de sa base est tellement silencieuse qu'on entendrait une mouche péter, mais... Je me disais bien, je commence à avoir faim, mais en fait, non, c'est... D'accord. C'était juste que c'est l'heure de bouffer, en fait. Et surtout, c'est presque 3h que je suis en stream. Bon, du coup, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.